Salut à tous, on est aujourd'hui vendredi matin. Bon, je sors un peu ici, j'avais été déjà, je crois, une année ou l'autre, je sais plus si c'est il y a un an ou deux. Ouais, j'ai fait pas mal de champs là derrière en venant. Bon, c'est assez loin de toute route, c'est assez paumé, j'aime bien ici. Bon, j'ai trouvé des cochonneries, des morceaux de médicaments, des saloperies, des morceaux de clous, un vieux bouton, bon, tout ça, j'ai pas filmé, ça fait déjà au moins 45 minutes que je détecte, voire une heure. Et ici, ben, je suis rentré pour faire un peu de champ. Je crois que ça va être une bonne surprise pour commencer. Alors c'est ça, j'ai déjà frotté un peu, j'ai vu du blanc apparaître. Donc j'ai pas continué, on va regarder ensemble pour. Mais ben c'est cool. Ouais, je sais pas ce que c'est, on dirait une Vittorio. C'est un assez grand module. Bon, elle est bien encrassée. Waouh, ouais, c'est de l'argent, c'est sûr, quoi. Magnifique. Pouh, je sais pas ce que c'est, une sorte de bonhomme avec une longue barbe. Waouh là là, il y a un lion de l'autre côté, un lion en position de combat, je sais pas comment on dit ça. Pouh là là, sans doute une monnaie étrangère, une. Je sais pas quoi, une. Une autrichienne ou un Kreutzer, un truc du genre. Waouh, magnifique. Bon, j'essaye de la décrasser un peu plus pour vous montrer. Regardez-moi ça. Pouh. Là, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir la gueule du gars. Eh ben, plaisir. Ouais, faudra que je l'identifie. J'ai jamais vu ce genre de module. Et derrière, ouais, c'est bien un lion qui tient une sorte d'étendard. Wow, magnifique. Et ben, à tous les abonnés, je vous la dédicace celle-ci. Vous êtes presque 3700 maintenant. C'est bien cool de me suivre. Ah bah punaise quoi. Wow, elle a l'air terrible en dessous quoi. Bon, je vais pas la gratter plus. Et je vous la montrerai nettoyée correctement. Elle va être super belle côté profil. Voilà, elle est un tout petit peu plus effacée. Magnifique. Wow. Bon, j'arrive pas à lire. Ouais, superbe, super quoi. Ouais, j'étais parti pour un truc bredouille, une sortie banale et maintenant. Oh, magnifique. Bon, je suis curieux de savoir qui c'est le gars qui est dessus et de quand elle date. Superbe. Allez, peut-être à une prochaine. Ouais, je l'ai décrassé un peu plus. Regardez-moi comme c'est beau ça. Oh là 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 là. Il y a une sorte d'évêque en tenue. Regardez, les détails sont encore. C'est encore là de la robe et tout quoi, terrifiant. Magnifique. Bon, j'ai gratté un peu, mais ça s'enlève relativement facilement. Et derrière, ben, elle est super belle aussi. On voit toutes les écritures parfaitement. Superbe détail quoi. Oh là 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 là. Moi, je sais toujours pas ce que c'est. J'ai pas vu de date ni rien. Bon, j'ai un peu. Ah si. 15, je vois, ou 17. Pas à voir, bon j'ai du mal à lire là sans lunettes. Superbe en tout cas, magnifique. Allez, next. Bon, vraiment plus rien depuis la blanche, ouais, trois quarts d'heure de nouveau, enfin j'ai détecté maintenant depuis 2 heures. Sans rien de spécial, et là, une monnaie qui a été éjectée. On va regarder ce que c'est. Oh! Au toucher, ça semble à une romaine. Ouais. Je dirais que c'est ça. Ah ouais, un sesterce, s'il y a marqué SC. Bon, il est complètement perdu énormément de volume. D'épaisseur, bon, de l'autre côté, côté profil, je vois pas grand chose, mais là, on voit bien le. On voit bien le S et le C. Je ne sais pas si vous allez le voir sur l'agrandissement. La DS avec le S et le C de côté, ouais, pas mal quoi. Bon, il est un peu rincé, mais plaisir en tout cas. Ouais, l'autre côté, bon, j'y vais un peu, il a souffert pas mal quand même. À voir, mais il restera plus énorme. Cool en tout cas.